Central Osih, breaking the news. Il y a deux choix qui s'imposent à nous. Si un candidat veut devenir président de la République et il envoie seulement sa photo à Tibati, il ne mérite pas votre confiance. Si il ne peut pas venir ici en tant que candidat, il ne pourra jamais venir ici en tant que président de la République. Et cette élection, je disais, il y a donc un sortant que je crois que le jour là, je vais partir un peu plus tôt pour les négociations, parce qu'on va tous aller ensemble au portail des tribunaux. Et quand on sera là-bas, ça sera pas pour entrer. On va d'abord ouvrir, on va dire que vraiment tu as fait ta part. Ça fait 36 ans qu'on te supporte. L'heure est venue pour te reposer. Entre là dans la voiture qu'on a mis là, j'ai tous mes amis de Tibati qui sont dehors. On est là pour te protéger, pour t'amener chez toi, pour make-up, pour ta retraite bien méritée. Et après on revient de vos mettre là, on ouvre le portail et nous tous on entre là dedans. On entre tous dans ce palais de l'unité, même s'il n'y a pas la place pour tout le monde. Au moins, il faudrait qu'on sache que cette victoire, c'est une victoire d'ensemble. Et donc ce n'est pas une personne qui entre, même si physiquement en fin de compte c'est une seule personne qui est dedans. Mais vous serez les architectes de cette victoire, vous serez les véritables propriétaires de cette victoire, et c'est grâce à vous que le pays aura changé. Et ce pays, on le change, ce n'est pas pour nous. Obi avait déjà décidé de gâter nos vies, n'est-ce pas? Il a gâté. Cette victoire, ce changement, c'est pour la petite dame qui m'a reçu. C'est pour elle qu'il faut. C'est pour cette génération-là